Chers amis abonnés, bonjour, je vous retrouve aujourd'hui, nous sommes le 15 juillet euh, pour vous parler de la prochaine nouvelle lune qui aura lieu dans le signe du cancer. Alors nous sommes, au... nous sommes donc aujourd'hui le... Ben, le 15 juillet comme je viens de vous le dire et euh, la prochaine nouvelle lune donc... Euh le redémarrage du cycle lunaire se fait dans le signe du cancer donc une nouvelle lune dans son signe dans son domicile si j'ose dire puisque comme vous le savez la lune a maîtrise sur le signe du cancer donc on peut dire que là la, la lune prend son son la lune se trouve si vous voulez là dans sa phase de redémarrage de cycle hein. je vous ai fréquemment expliqué les, la dynamique des cycles de lunaison donc on est dans le redémarrage de ce cycle dans son signe de prédilection, le cancer. Donc une pleine lune dans, dans le signe de l'affectivité, des sentiments. Le signe aussi la, le signe et évidemment la lune euh, dans les valeurs de la, les valeurs familiales, les valeurs aussi claniques puisque la lune c'est aussi tout ce qui symbolise le cocooning. Euh, donc le clan, ça peut être aussi les communautés. Hein, voilà. Euh, donc on voit que là il y a une résonance. Euh, euh, lunaire euh, très très aigu sur ces différents plans. Alors on va, je vais tout de suite euh, passer dans le vif du sujet et je vais positionner la planète qui se dresse en face, c'est Pluton. Voilà, donc nous avons euh, une nouvelle lune euh, qui, prend, euh, son, qui prend son essor, son redémarrage dans l'opposition à Pluton. L'opposition sera exacte 10 heures. Après. Donc vous voyez que la nouvelle lune se fera le 17 juillet. J'ai oublié de vous le préciser, veuillez me pardonner. Le 17 juillet 2023. 20h31, c'est pour Paris, hein, voilà. Bon. Donc, euh, cette nouvelle lune se fera à 24 degrés dans l'orbe de l'opposition à Pluton qui est à 29 degrés du Capricorne dans sa phase de rétro. Et donc, euh, 10 heures plus tard, euh, la, la lune sera à l'opposition de Pluton. Alors, euh, on a évidemment là une, une nouvelle lune opposée à Pluton. Alors évidemment, c'est une des. des comment dirais-je Des énergies, des valeurs qui sont complètement opposées. Hein. Euh, pulsion de vie opposée à pulsion de mort. Hein. Euh, pour employer un terme un petit peu roman de science-fiction, les forces de la lumière opposées aux forces des ténèbres. Hein. On trouve ça dans tous les livres d'anticipation et de. de de science-fiction. Donc, la pulsion de vie, l'affectivité opposée à, au ténébreux Pluton, il y a donc un effet de balancier entre les deux. Bon, bah, on est actuellement, il est vrai, dans un climat collectif euh, qui n'est guère favorable à l'insouciance. Mais en même temps, cette nouvelle lune, là, nous demande de nous rattacher à nos fondamentaux affectifs. En même temps, c'est le message qu'elle nous donne, hein, puisqu'elle s'oppose aux forces obscures de Pluton. Je suis obligé là de parler des forces obscures de Pluton parce que c'est la façon dont il est vécu actuellement sur le plan collectif et mondial. Hein Je ne vais pas rentrer dans le, 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 la, les capacités de régénération et de transformation de Pluton. On n'y est pas encore. Donc n'ayons pas peur d'appeler un chat un chat et un chien un chien. Et arrêtons de de nous planquer derrière des, des belles envolées nirvana transcendantales. Donc, on est actuellement dans ces, dans ces, dans ces oppositions, ces champs de force qui s'opposent. Alors, cette nouvelle lune nous demande de nous rattacher à ces valeurs-là. Hein? Donc, des valeurs, évidemment, comptant un peu à, à attaquer et à démolir en ce moment. Hein? Voilà. Donc, on a là une, une nouvelle lune qui est dans un champ de, de force très, très, je dirais, aiguë. Hein? Et il faut... Se concentrer sur cette sphère là, alors en même temps le, le cancer c'est aussi tout ce qui est lié à la fertilité à l'imagination hein à la création ne l'oublions pas c'est là c'est tout ce qui est fertile hein. donc il euh, il y a, y a là un démarrage plutôt riche sur ce plan intérieur, mais euh, une vigilance est quand même demandée parce que il y a pluton qui est en face. Alors, puisque Pluton est rétrograde, hein, dans le signe du, du Capricorne, on va positionner Saturne immédiatement, puisque c'est la planète qui a maîtrise sur Pluton. Alors, on sait que Saturne est actuellement en poisson. Il est ici. Voilà. Donc, pour l'heure, euh, il n'entretient pas de relation directe avec la nouvelle lune. Il est en poisson. Donc, on va positionner maintenant Neptune, immédiatement. Alors, Neptune, lui, vous voyez, c'est intéressant. Voilà. Neptune, lui, il est... L'intersection de cette opposition de nouvelle lune à Pluton. Intéressant. Vous voyez C'est-à-dire que la sortie, la résolution de cette opposition passe par les valeurs de Neptune. Alors évidemment, Neptune, euh, c'est pas les valeurs matérielles, hein. surtout pas. C'est plutôt des valeurs de plutôt des valeurs spirituelles lorsqu'il est bien vécu, parce que Neptune ça peut être aussi la pagaille, ça peut être le débordement, euh, ça peut être l'exagération, bref, ça ça part dans tous les sens, ça s'éparpille et, et ça nous amène à, à un bazar absolu. Bon, mais là précisément pour cette nouvelle lune, on voit qu'il est au trigone de la nouvelle lune. Hein. Trigone appliquant, puisque la Lune va aller au trigone exact à hein, 24-27 degrés, et également le Soleil. Hein. Le Soleil dans trois jours sera au trigone exact de Neptune, et puis au sextile également de Pluton. Hein. Alors je vous l'ai dit, hein, le, le sextile Pluton-Neptune, c'est ce qui nous empêche de basculer dans comment dirais-je. Euh, le pire du pire, l'effroyable, de l'effroyable, hein. c'est ce qui quand même Neptune vient un peu émousser, éroder les puissances actuellement destructrices de Pluton. Heureusement ce que ce sextile est encore là. Elles sont rétrogrades actuellement, donc elles sont moins puissantes, les planètes lentes. Mais reste que cette nouvelle lune, là, opposée à Pluton, et eh bien pour arriver à, à surmonter cette période, à mieux la vivre, il faut aller dans le monde de Neptune alors. On va dire que c'est un petit peu la fuite devant le réel. Euh, bah de temps en temps, on a besoin un peu de prendre de la hauteur, de prendre de l'altitude, de se dégager. Euh, et donc Neptune, c'est la planète aussi qui nous demande de nous rassembler, ben, de nous rassembler pour des bonnes causes. Euh, c'est aussi la planète qui nous relie à la vie spirituelle, la vie intérieure, c'est l'inspiration. Euh, c'est aussi tout ce qui relève des forces psychiques. Euh, donc pour tous ceux qui sont euh, dans des activités créatives, artistiques, les écrivains par exemple, là il y a une belle fertilité, hein. on est dans la Lune, la Neptune, planète d'eau, donc c'est de l'hyper-intuition, c'est de l'émotivité, euh, c'est de la sensibilité, donc il faut arriver à à prendre possession de tout ça pour en faire quelque chose, chacun, dans nos secteurs différents et par rapport à nos, à nos inclinations personnelles. Mais on a quand même ce Neptune qui vient quand même apporter une note d'apaisement à cette pleine lune quand même qui est un petit peu sombre. Hein euh, à cette nouvelle lune, pardonnez-moi, qui est un petit peu sombre. Alors on va continuer l'exploration de cette nouvelle lune et on va positionner Mercure, puisque Mercure... Comme vous le savez, c'est la planète de, de la communication, euh, de nos échanges, de la parole, du verbe, euh, du, du mouvement, autant intellectuel que physique. Mercure est dans le signe du lion. Alors, il fait un sesquicarré carré à, à Neptune, c'est intéressant, puisque Neptune, c'est de la cérébralité, c'est plutôt du mental, et Neptune en est dans le contraire. On en a un sesquicarré carré au moment de, de la nouvelle lune, c'est intéressant, vous voyez entre on va dire des forces intellectuelles et plutôt des, des forces qui sont pas davantage liées euh, à l'intuition, aux ressentis, aux émotions. Et Mercure, c'est l'analyse, la pensée. Donc on a un sesquicarré. carré. C'est là qu'on a un axe de tension. Hein. Et euh, justement, il, faut, il va falloir arriver à établir un peu un, un, un équilibre entre ces deux puissances très opposées. Et on a ce rattachement par Neptune, justement. Par cette nouvelle lune, qui nous donne tout au moins une indication comment vivre au mieux cette nouvelle lune. Alors maintenant on va on va poursuivre et on va positionner donc Vénus. Alors Vénus elle est dans le signe du Lion également. Elle est à 28 degrés du Lion. Alors qu'est-ce qu'elle nous raconte cette petite Vénus ben Bon, elle est dans, en formation d'opposition à Saturne, mais là pour l'instant c'est une opposition dissociée elle est quand même très très large donc je la compte pas. Mon logiciel la marque parce que j'ai fait des, des, des comment dire, des règles de calcul très particulières dans mon logiciel et après je, je module en, en, en fonction de, de, de la réalité présente. Donc là l'opposition avec avec Neptune je la compte pas pour l'instant. Hein Par contre on voit qu'elle forme des quinconces, quinconces à Neptune et quinconces à pluton. Alors, le, 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 ça veut dire que cette planète Vénus qui marque l'amour, hein, les sentiments, la beauté, eh bien, elle est effectivement en ligne de tension avec Neptune, Pluton. Euh, donc, euh, on a on a là avec le sextile. Il hein. euh, y en a qui, je crois que je ne sais pas si je fais une bêtise. Là, je je, je m'excuse auprès de mes consoeurs et confrères. Je ne sais pas si non, je ne sais pas si ce n'est pas un iode quand on a le deux, deux quinconces avec le sextile, là, vous voyez, ça forme un iode. Je ne sais pas si c'est pas ça le iode. Vous, je vous prie de m'excuser parce que je ne suis pas sûr de moi, mais je crois que c'est un peu l'aspect. Alors, dans l'astrologie dit humaniste, le iode, c'est le fameux doigt de Dieu. Bon, alors. Euh, la formulation à euh, vaut ce qu'elle vaut, je ne vais pas la commenter, mais on voit que cette Vénus là elle est partagée, tout au moins entre deux forces, celle de Neptune, qui est une force de rassemblement, et Pluton, qui est plutôt une force actuellement de destruction. Hein, donc les valeurs de beauté, d'amour, sont vraiment actuellement en proie à deux courants totalement opposés. On a là une Vénus en Lion qui est très parlante. En plus, c'est une Vénus solaire hein, qui réagit aux valeurs du soleil, donc du cœur, plutôt de la, de, de, des forces de la beauté. Donc, il y a un combat pour préserver toutes ces forces-là qui est actuellement mené. Alors, nous allons encore poursuivre et nous allons positionner le, le grand agitateur, enfin, tout au moins, l'un, Mars. Alors, Mars est en vierge. Alors, je vous parle, nous sommes le 15 juillet, et d'après ce que j'ai cru lire un peu partout, la nuit du 14 juillet a été à peu près, euh, elle n'a pas été incendiaire, ce qui démontre bien que Mars est actuellement mieux contrôlé dans le signe de la Vierge. Il est sous les puissances de Mercure, donc un Mercure Vierge analytique qui tend à contrôler. Donc, on voit que les, que les forces de Pluton sont actuellement, en, les forces de Mars, veuillez me pardonner, sont actuellement sous une contrôle mercurienne, donc organisée, méthodique. Euh, le carré maintenant à Uranus est terminé. Hein. Euh, je vous positionnerai Uranus plus tard. Alors on voit une opposition avec Saturne. C'est intéressant parce que là on a l'ordre opposé à l'agression. La guerre opposée à l'ordre. C'est un aspect de frustration, hein, Saturne-Mars. Hein. Euh, puisque Saturne est une planète de Terre, froide et sèche, qui tend à contenir, et Mars est une planète de feu. Bon, alors, on a là une, 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 une opposition, je dirais, qui peut marquer une frustration, parce que l'énergie martienne est trop contrôlée, maintenue, mais en l'état actuel de ce que nous vivons, c'est pas plus mal. Hein. Donc, de tous les côtés, les forces d'action, d'agressivité, de guerre sont, euh, j'oserais vous dire, cérébralisées. Alors, du côté euh, de l'ordre, des services d'ordre, tout a été euh, il y a eu des forces considérablement déployées hein, pour éviter qu'il y ait des débordements. Et puis, du côté aussi des eh ben, des émeutiers, euh, les chefs de gang, euh, ben, il faut que le business fonctionne. Hein. Mars en, en vierge, analytique, il hein, faut que le business marche. Donc, il y a une sorte de d'ordre, mais sous tension, qui s'est mis en place de part et d'autre. Hein. Chacun essaye de préserver son, son territoire. Il y a le territoire de l'ordre, là, puis il y a le territoire plutôt en marge. Euh, on va dire des, des braqueurs, quoi. Hein. Voilà, pour parler un peu d'une façon triviale. Alors, c'est une opposition de tension. Hein. Alors, dans nos thèmes respectifs, voyez où elle se superpose, parce que c'est là elle joue, dans, dans l'axe de votre thème. C'est l'axe vierge-poisson. Vous le superposez dans vos thèmes respectifs. Il est manifeste que les personnes qui sont nées sous cette opposition dans leur thème de naissance vont être particulièrement sensibles hein, à ce passage, alors, Mars est rapide. Hein. Euh, vous savez, les oppositions Mars-Saturne se produisent tous les 4 ans. Donc, la prochaine opposition Mars-Saturne aura lieu en 2027 à peu près. Hein. Voilà, je vous donne ça comme, à titre indicatif. Donc, on a là un Mars qui est quand même sous contrôle. En même temps, j'ai oublié de vous dire aussi, parce que je vais un petit peu vite en besogne, euh, Mars dans le signe de la Vierge, c'est aussi il est au service des puissances donc mentales, analytiques. Ça donne aussi une très bonne énergie intellectuelle pour pouvoir travailler et entreprendre hein, sur un plan d'analyse plus individuel. Euh, c'est aussi une énergie au service du mental. Hein. Donc ça nous permet aussi d'avancer, de construire et, et quelquefois aussi d'arriver à, à trouver des solutions à une situation qui nous bloque un petit peu actuellement. Hein. Voilà. Alors Maintenant, je vais positionner Jupiter, qui est en taureau. Il est là. Alors, ce Jupiter est au carré de Mercure et au semi-carré de Neptune. Oui, ben, on est dans les, dans les questions qui sont liées à la justice, à l'ordre. Hein. Il n'est pas surprenant qu'on ait ce carré euh, Mercure-Jupiter. Hein. Euh, on voit qu'actuellement, on est en proie à des grandes, grandes questions au niveau de la justice. Hein. Euh, on parle de. D'un recours à la fermeté de plus en plus, à ce que la justice soit de plus en plus, quand même, je dirais, punitive, lourde par rapport à ce qui s'est passé. Donc, euh, voir que ce Mercure est actuellement au carré de Jupiter n'a rien de surprenant, surtout que Mercure, en plus, vous voyez, est au, au, au 16 cuits carré de Neptune. Hein, voilà. Donc, euh, on, on voit qu'il y a une, une, actuellement hein, une réflexion qui est menée sur ce plan-là. Euh, alors, euh, également euh, euh, sur un plan plus personnel attention à c'est-à-dire évitons de, dans nos vies personnelles de nous trouver à être dans un conflit avec ce qui est de l'ordre de la justice hein. faites attention hein, de ne pas de ne pas euh, comment dirais-je se montrer trop véhément et puis de se mettre un petit peu à défaut et on pourrait avoir un, un, un petit retour de manivelle par Jupiter hein, donc là aussi sur un plan personnel soyons un peu euh, restons dans le message de la nouvelle lune qui nous amène vers Neptune hein, un petit peu de temps en temps euh, c'est pas mal de contourner le réel quand même hein, on en a besoin parce que ça va hein, on en prend plein là on en prend plein le psychisme en ce moment Neptune Pluton hein, on en prend plein l'inconscient il est chargé hein. alors je continue, je vais poser Uranus. Uranus, lui, est en taureau. Il est là. Alors, carré Vénus. Hein. Alors, c'est un carré séparant. 6 degrés d'orbe, c'est déjà un carré qui commence à se défaire progressivement, mais on voit que notre chère Vénus est encore au carré d'Uranus. Il y a de la blessure, il y a de la colère qui est encore là. Mars, ça y est, a quitté le carré d'Uranus. Il y a un apaisement qui se met en place. C'est clair On a vu ce que le carré a donné par le passé. Hein. Euh, donc là, actuellement, Vénus est encore au carré d'Uranus, donc il y a encore une blessure, une colère qui est là, mais qui va petit à petit s'atténuer au fur et à mesure. Déjà, le carré est en train de se défaire, hein, là, de, de Vénus à Uranus. Alors on voit qu'Uranus est au sextile de la nouvelle Lune, 2 de degrés d'orbe, nous l'avons. Hein. Donc euh, on a là. Euh, comment dirais-je C'est intéressant parce que. Cette nouvelle lune est à la fois au trigone de Neptune, okay, et au sextile d'Uranus. C'est intéressant, parce que Uranus et Neptune sont très opposés dans leur valeur intrinsèque, hein, vous savez, hein, je vous en ai longuement parlé. Eh bien la, la nouvelle Lune est servie par ces deux puissances. Euh, je dirais la puissance uranienne, qui est une puissance qui va de l'avant, qui dégage, qui avance, et puis Neptune qui tend davantage à rassembler. Euh, on, on est dans une dynamique de feu, une dynamique d'eau, si j'ose dire. Et qui convergent vers la nouvelle lune. Donc il faut vraiment s'orienter vers ces deux deux facteurs urano-neptuniens. Alors Uranus-Neptune, hein, c'est aussi le monde de l'astrologie, hein, le dieu du ciel, et puis Neptune qui marque le cosmos, l'étendue. Donc, euh, Alors ces deux planètes ne sont pas en sextile, hein, parce que 5 degrés c'est trop large, mais on voit quand même une légère armoire. Hein. Je, je fais un. Une petite entorse parce que Neptune est quand même dans sa phase de rétrogradation, hein, mais on voit qu'il y a quand même ces deux énergies qui sont au service de cette nouvelle lune. C'est là où il faut indéniablement s'orienter pour vivre au mieux et dépasser cette opposition de Pluton. Euh, bah écoutez, voilà l'état du ciel de cette nouvelle lune du 17 juillet 2023. Hein. Alors quand on voit comme ça, on se dit oh là là, il y a beaucoup de lignes marron, beaucoup de lignes noires, beaucoup de lignes rouges. Euh, le ciel apparaît comme ça à première vue très tourmenté, très bousculé, mais c'est tout à fait normal. Nous sommes dans une période bousculée, tourmentée, inquiétante. Euh, donc ce ciel est en synchronicité, il est à l'image de ce que nous vivons. Hein. Voilà. Mais retenons que dans tout ce canevas il y a cette valeur neptunienne et uranienne qui, voyez, qui viennent contrebalancer cette opposition. Et il faut se diriger. Là, c'est le côté réformateur. On essaye de trouver des solutions, d'aller de l'avant. Et là, on se rassemble. On essaye de trouver aussi de nouvelles valeurs euh, pour, évidemment, euh, essayer d'arriver à se dégager de cette actuellement menace plutonienne, mais qui est quand même émoussée par Neptune. Comme je vous le dis, c'est hein, contenu. Heureusement que ce sextile est là et qu'il existe. Parce que ça serait quand même terriblement inquiétant. Alors, il y a une chose que je voulais aussi vous montrer, euh, intéressante, avant de conclure cette nouvelle lune. Euh, ah, c'est pour le 21. Euh, oui, alors, attendez, je vais avancer de jusqu'au 21 juillet. Alors, attendez. Vous m'excusez, hein, je suis en train de goupiller ça. Voilà. Alors, je voulais vous montrer quelque chose. Alors, euh, comment je vais me goupiller ça Oui, ça y est, j'ai trouvé. Alors, vous allez voir, pour que ce soit bien clair pour vous, puisque j'ai un superbe logiciel qui s'appelle Olympia. Qui a été créé par Mathieu Conrad. J'en profite pour lui faire une publicité. Et je ne vois pas pourquoi je ne le ferai pas. Euh, Qu'est-ce que. Alors attendez. J'ai un petit truc là. Commence. ça Ah oui. Il faut que je mette l'opposition, pas la conjonction et les carrés. Alors attendez. Les nœuds lunaires. Euh... Excusez-moi, hein, je suis en train de, de, de vous goupiller tout ça pour que ce soit très très clair pour vous. Alors laissez-moi juste quelques petites minutes. On va virer tout ce qui me tout ce qui m'embête. Viens là, Pluton, ne te sauve pas, justement j'ai besoin de toi là mon pépère. Voilà. Jupiter, tu vas aller te coucher également. Voilà. Alors vous voyez là on a. Euh Alors... Il faut que je vous mette l'aspect avec les nœuds, ça sera plus intelligent. Voilà, vous voyez là, le, le 21-22 juillet, vous voyez, on va avoir, le 22 juillet exactement, ça sera un samedi, regardez, on va avoir une opposition Soleil-Pluton exacte qui fera un carré à l'axe des nœuds. Vous voyez Alors, bon, il n'y a pas de planète à ce moment-là qui s'aligne sur l'axe des nœuds, mais on voit quand même un carré exact, ce qui marque que nous sommes encore dans une période quand même. Euh, Comment dirais-je Là, les forces de lumière et les forces de ténèbres, pour le coup, vont être opposées l'une à l'autre au carré exact de l'axe des nœuds. Alors, il faudra surveiller, à l'entour de cette période-là du 22 juillet, ce qui va se passer sur le plan mondial. Parce que le monde ne se réduit pas à la France, que j'ai tendance souvent à, à, à circonscrire mon propos à la France, et c'est normal puisque je vis en France, hein. et puis vous aussi, qui m'écoutez. Je sais qu'il y a des personnes qui m'écoutent de l'étranger également. Hein des États-Unis, euh, même du Japon, j'en ai, qui m'écoutent. Mais euh, je suis en France. Alors, j'ai tendance, c'est vrai, à, à, à circonscrire. Euh, alors, l'axe des nœuds est toujours en opposition. Hein, vous le savez, le nord le sud hein, c'est un balancier. L'axe des nœuds fonctionne toujours par rétrogradation. Et là, on va avoir quand même une configuration exacte à 29 degrés. C'est quand même une configuration à surveiller, c'est pas là, on voit des puissances complètement opposées. Puissance de vie, puissance de mort, mmh. puissance de lumière, puissance de ténèbres. Alors il faudra voir alentour ce qui va se passer sur le plan général et sur le plan mondial. Pour M. Emmanuel Macron, euh, je signale que ça se fait pile sur sa ligne d'horizon, sa ligne d'ascendant. Hein. Il a un ascendant qui est juste là et ça s'aligne pile sur sa ligne d'horizon. Donc il est. Il est également concerné par, cette, par ce grand carré-là, ce carré total hein, qui le touche. Donc, voir ce qui va se passer à ce moment-là. Hein, le Soleil met en lumière, vous savez, hein, le, le, le Soleil est un principe chaud. Euh, N'oublions pas que nous parlons de notre système solaire. Tout s'organise autour du, du Soleil. Hein. Vous avez le Soleil, après vous avez Mercure, Vénus, la Terre, autour de laquelle gravite la Lune. Ensuite, vous avez... Mars, Jupiter, Uranus, Neptune et Pluton qui est très loin sur la ceinture de Kuiper. Voilà l'ordre de succession. Donc, euh, on a là une, une configuration quand même qui met en lumière l'axe des nœuds et euh, Pluton. Donc, surveillance qui va se passer. Dans, dans je dirais, euh, euh, évidemment je vous ai donné l'aspect exact. Hein. Ça peut être des journées avant et des, jo et des journées après. Hein. Avec le soleil, écoutez, je vais vous dire, on peut compter dix jours avant et dix jours après. Le rayonnement du soleil, il ne faut pas le négliger. Eh bien écoutez, j'achève ici euh, mon grand palabre, si j'ose dire. N'hésitez pas à faire un petit pouce si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous l'avez appréciée. Euh, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à vous abonner à mon site internet. Vous verrez l'adresse apparaître dans le générique final, puisque je mets aussi des articles et j'ai mis dernièrement un fichier vidéo sur mon site internet qui est un extrait d'un entretien que j'avais eu avec André, André Barbeau, à propos des effets entre le thème d'astrologie individuelle et l'astrologie mondiale et les interférences qu'il y avait entre l'un et l'autre. C'est un entretien assez court qui dure une dizaine de minutes. Mais si vous voulez en prendre connaissance, il faut aller sur mon site internet et donc je vous invite à vous inscrire à la newsletter de mon site internet, car ainsi vous serez tenu informé non seulement des articles écrits et également des nouvelles vidéos que je mets dans ma chaîne YouTube. Euh, voilà. Eh bien, écoutez, sur ce, je vous souhaite un agréable week-end parce que nous sommes le samedi 15 juillet. Prenez soin de vous, faites-vous du bien, faites-vous plaisir. Euh, on a encore des années noires devant nous à traverser, mais on va s'en sortir. Euh, comme je dis toujours, l'humanité, l'histoire est une tragédie, l'humanité est toujours passée par des moments difficiles, mais on va sortir la tête de l'eau. Euh, voilà. Bon, allez, je m'arrête là, parce que sinon je vais partir dans d'autres considérations. Merci à vous de votre fidélité, et puis de l'intérêt que vous témoignez à mes études, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.